إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله نوم كونتيني avec une leçon la réalité de l'iman. Alors, c'est un passé, oui, ça va. Une cause concernant la réalité de l'iman, c'est ce qu'il y a dans le kéa. Aqida, conception qui est née dans le kéa. Et c'est ça même la base de l'iman. Mais, comme on peut apprendre, l'iman n'est pas juste. N'est pas juste aqida, n'est pas juste conception, mais aqida, c'est ce qu'il y a dans le kéa, l'eau, la langue et l'eau, nous m'amènent les corps. Ce qui nous est qu'à faire, c'est premièrement la conception de l'aqida, croire d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il finit pour nous, et deuxième ben ibadat qu'il nous fait avec nous les kir. Alors aujourd'hui inshallah le beaucoup concernant ben action les kir qui font partie de l'iman, une action les kir qui font partie de l'iman. Chaque bon action qui nous les kir fait, en vérité, c'est une branche de l'iman. En vérité, c'est une branche de l'iman. Chaque bonne action qui nous les kir fait. Alors, le papa, c'est tout, vous cite certaines comme un exemple pour nous connaître. Iman dans nous les kir, les comprend, aqida et les comprend, ça va être ibadat qui nous peut faire, qui mentionner là. Alors, parmi, c'est la crainte et la frayeur pour Allah. Avec qui de chose qui nous paie Allah. La frayeur Allah, c'est pas avec nous la langue, ou bien avec nous les corps. La frayeur pour Allah, c'est avec nous l'équerre. Quand nous l'équerre, fin paie Allah, les Allah, les pour dicter la langue, pour les comporter d'une façon, pour qu'il abstenir de certaines paroles. La frayeur Allah dans l'équerre, la crainte pour Allah dans l'équerre, les dicter les corps, comment pour comporter, comment pas pour comporter. Donc, un peu un ibadet, un grand ibadet qui nous l'équerre faire, c'est la frayeur pour Allah, l'amour pour Allah, l'espoir pour Allah. Donc tout cela c'est un ibadet, tout cela c'est une branche de l'iman. Tout cela c'est une branche de l'iman. Quand je dis que c'est tout, c'est un comme un exemple pour qu'il nous comprenne. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala takhafouhum wa khafouni in kuntum mu'minin » Pas peur, banna, mais ina la frayeur pour moi. Ina la frayeur pour moi. In kuntum mu'minin, si vraiment je ina iman. Si vraiment je ban qui ina iman. Si vraiment je ban mu'min, ina la frayeur pour moi. Peur moi. Donc, ça ayata me prouve la frayeur pour Allah dans l'équerre, c'est une branche de l'iman, c'est un élément de l'iman, l'éprouve l'iman. C'est-à-dire qu'on peut la frayer Allah dans l'équerre, alors, ça dit là, c'est un démon qui, ce iman, il y a un iman qui fin affecté, c'est un iman qui les fin affaibli. Donc, ça c'est un exemple dans l'équerre, le bizarre, il y a ce qu'il appelle la frayeur pour Allah. La frayeur pour Allah, c'est une branche de l'iman. Et deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y a des bons démons qui disent « Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin » Place de confiance, l'eau Allah, si je ban qui est un iman. Place de confiance, l'eau Allah, si je ban qui est un iman. Donc, basant le site, là, nous comprenons qu'il était Tawakkul lo Allah, place confiance lo Allah, c'est une branche de l'iman. Et il est connu. Avec qui, membre nous l'écho, qui nous place nos confiances lo Allah, c'est avec nous. Avec nous l'équerre. C'est nous l'équerre, les gentils. Ce l'équerre, c'est sa même, veut dire, organe, ou bien, c'est sa même, quoi, moitié dans lui, qui fait à lui compte à Allah. Garde l'espoir, oh Allah.
ou bien place sa confiance dans Allah et un respect pour Allah. Donc tout cela, c'est différentes branches de l'iman. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire tawakkulu Allah, c'est ça, c'est ces qualités de man qui est na iman. C'est un jimon vraiment qui est na iman, il peut la tawakkulu Allah. C'est un jimon vraiment qui est na iman, il peut la tawakkulu Allah parce qu'il s'attawakkul là, il faut partie de iman. Ils font partie de l'iman. Et là, les points de l'iman, les points c'est un jimon qui peut être tawakkulu Allah, dit tout même, ou bien un jimon qui a la faiblesse dans ce tawakkul, alors ça, il affecte son iman. Dans le hadith, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la honte, il y a une branche de l'iman. La honte, il y a une branche de l'iman. Et ça, comment, dans les autres hadiths, ne pas vous, comment dire, donne beaucoup d'explications aux différentes branches de l'iman qui nous peut citer, mais sinon, concernant la honte, il est important pour nous, rappelle-nous de un grand hadith qui peut cause concernant la honte en relation avec l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-haya wa l'iman qurina jami'an. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. Et vous pouvez dire, Allah fait une zone iman et la honte ensemble. Quand un allait, l'autre là allait automatiquement. Quand un allait, quand un peut enlever, l'autre là enlevé automatiquement. Vous pouvez dire, comment un djimoun il n'est plus dans la honte. Quand un djimoun il n'est plus dans la honte qui arrive, il perd iman. Par exemple, quand un enfant il est devant nous léger. Il peut grandir devant nous, lycée, primaire, secondaire, un enfant tranquille, normal, un coup, tout trouve lui, comment dire, casse la côte, il commence à venir, comment dire, le qualité qui vient arriver. Alors, une façon qu'un jour, il perd son humain, c'est qu'il perd la honte dans lui. Comment il perd la honte? Il n'est plus dans la honte dans lui, mais il perd mettre lui dire. Il permet de faire devant Jimon, il a envie de dire, il a envie de faire, il fait. Il peine la honte dans lui. Comment la honte peut être finie? La honte, c'est, quoi dire, les préserve nos iman. C'est un élément de iman qui les garantit nous. Voilà, bon la santé de nos iman, bon l'état de nos iman. Alors, il y a pourtant qui l'iman miché. Kiliban madame, pour être à la honte, comment à chaque fois nous dire, azo, nous ban jeunes, l'invin est la honte pour eux, pour être à la honte. Un jeune, l'igay, pour être la honte, ça, si l'infin est à la honte. Alors, il y a un zombie, il n'est pas à la honte. Il y a un zombie, il n'est pas à la honte. Mais comment dire, avec tout mon camarade, tout peut être à faire, l'igay honte, il n'est pas à dire. Tout avec mon camarade, tout va faire des affaires, il va faire des affaires. Il y a honte, il pas faire. Il faut qu'il y ait honte pour pas faire, il faut qu'il y ait honte pour pas dire. Je veux dire, si ton iman finit affaibli, si ton iman finit affaibli, je vous dis, gagne la honte, il y a besoin d'une branche de iman qui nous tient ferme, là, je vous dis, nous pouvons gagner honte pour qui nous ait sa branche de iman là. C'est la même qui. Quand la honte peut enlever, l'iman peut enlever en même temps. Nous avons des jeunes garçons, nous avons des jeunes filles. Quelque chose qui est pour préserver cet iman, pour guider, pour qu'ils se composent bien dans la société, loin de quelque chose qui est mal propre, c'est la honte. La honte, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, les gars nous, loin. Exemple, nous avons des Nasara, comment ils vivent. Tout le monde dit ça, mais non, ça va peine à la honte dans eux. Peine à la honte dans eux, qu'est-ce qui est l'immoralité de vivre? Qu'est-ce qui est l'immoralité de vivre? Qui fait vrai, hein, parce que non, ça peine à la honte dans lui, quand peine à la honte dans lui, alors, peine à l'iman. Alors, ça montrez-nous, avec nous les quais, il y a une petite chose qui nous. Il y a une ibadette qui nous fait avec nous les quais, la honte. Ça, la honte là, c'est une action les quais. Il faut une partie de l'iman. Le premier, c'est, on nous dit, compte à Allah, et garde l'espoir à Allah, et dans la prière à Allah,
Et Bazan Lola, content à cause Allah et détesté à cause Allah, c'est un ibadet qui nous fait avec nous les cœurs. Nous comptons à cause Allah. Nous comptons à cause Allah. Nous comptons les prophètes. Nous comptons les sahaba. Nous comptons les ulama. Nous comptons les kilo sunna. Nous comptons les qui ont l'obéissance à Allah. Nous comptons nos frères, nos sœurs. L'islam finit enseigne nous comptons à cause Allah. Et en même temps, il enseigne nous détester à cause Allah. Détester les kuffar. Détester l'ennemi de l'islam. Détester les qui dans bid'a. Détester les qui dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam finit enseigne nous. Alors, comptons à cause Allah. Détester à cause Allah. Avec qui nous comptons et avec qui nous détester, nous comptons et nous détester avec les kia. Donc, comptons, détester, c'est une action les kia. Les prophètes le font, nous connaissons ces branches, c'est une branche de iman. C'est une branche de iman, donc ça aussi, iman, ça. Nous comptons à cause d'Allah, nous détester à cause d'Allah. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, disent Inna awtaqa'ura al-iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Je lance. Plus ferme de iman, ouais, la cause plus faux de iman, c'est au compte à cause Allah de détester à cause Allah. Réfléchis à ce hadith-là. Combien de gens, les comptant un certain gens, ou bien ils détestent à certains gens, qui fait sa famille ça, les comptant lui. Pas sa famille, alors lui permet de détester. Ou bien, il y a l'avantage, les comptant lui. Peine à l'avantage en lui, lui permet de détester lui. Ou bien, tu ensemble, de l'école ensemble, ou bien, les comptes lui, pas tu ensemble, pas content lui, ou bien, tu dans la même classe en lui, il est content, il n'est pas dans sa classe, il n'est pas content lui. Alors, c'est ça, Azodi, ou bien, en général, Jimon, c'est comme ça qu'ils sont contents, ils sont détestés, ils sont contents, ils sont famille, ils sont contents. Êtes camarade, mais dans l'islam, nous pas content du monde à cause mon cousin ça, ou bien à cause mon beau-frère ça, ou bien à cause li ena une relation familiale à cause moi. Nous comptons à cause Allah, nous détester à cause Allah. Nous faisons mal les sons là, samedi aussi nous déshabillons cause là. Quand nous disons détester à cause là, nous ne pouvons pas dire détester les musulmans là, comment dire détester les, comment dire les kafirs, non. Les musulmans, nous visons l'amour pour lui. Nous visons content en tant qu'un musulman, mais en même temps, nous visons détester les, comment faire ce qui les fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, ça c'est un lacode. Plus ferme de iman, la cause plus ferme de iman, c'est du monde les sur l'islam, les visages corrects en tout du monde, les visages bien en tout du monde, les visages passent bon en tout du monde. Mais si la cause plus ferme de iman, c'est content à cause à la détester à cause à la, les sur l'islam, c'est nous corrects en tout du monde, nous bien en tout du monde, et automatiquement il va connaître, il va connaître du monde qui a iman comme un visage. Et quand je vous fais un iman, comment vous avez dit, c'est impossible, il est pratique sur l'islam, correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Ça dit mon nom, l'infini goûte saveur de l'iman. L'in goûte iman, quoi dire, l'in gagne goût de l'iman. Qui s'en a? Celui qui est satisfait avec Allah comme son Rab, l'est satisfait avec l'islam comme son dîn, l'est satisfait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son rasoul. Ça dit moulin, il a iman. Qui action il peut faire, qui le prophète peut témoigner dans son faveur, qu'il a iman, la satisfaction avec Allah, l'est satisfait avec Allah, l'est satisfait avec l'islam. Il est satisfait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est content Allah, il est content sur l'islam, il est content l'enseignement de ce Rasul. Sa action, satisfait avec Allah, satisfait avec l'islam, satisfait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec qui nous fait ça? Avec nous? Avec nous les kia. Donc, ça c'est une action les kia qui prouve nous iman.
ben actually kia qui font partie ben ben branche de iman satisfait avec ou l'islam c'est un jimon li fier de ce l'islam avec qui fier de ce l'islam pas avec la bouche pour fier de mon islam non fier de l'islam un jimon li senti la fierté dans lui à cause de l'islam c'est dans les qui est content sur l'islam li content l'ancien rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam li connaît qui l'islam c'est solennel li connaît qui l'ancien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a juste dit bien là-dedans. Il dit qu'il est fier de l'islam, il est satisfait avec l'ancien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sa satisfaction dans l'équilibre, c'est qu'il faut une partie de l'iman. Il faut une partie de l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayat al-iman, hubbul ansar, wa ayat al-nifaq, bourdo al-ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayatul iman hubbul ansar signe de iman c'est content ban ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar signe de nifaq signe de l'hypocrisie c'est dégoût pour ban ansar alors ici aussi le prophète peut donner un exemple un dimoni content ban ansar ban ansar c'est qui ban un sahaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est de Medina qui fin supporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je n'ai accueilli à l'écoute quand le prophète tu peux gagner maltraité, tu peux gagner poussé dans Makkah ben habitant Madina, ben Ansar fin accueilli à l'écoute je, malgré qu'il y a un grand risque un grand risque pour un problème je n'ai accepté je ne supporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je fais un sacrifice et je donne grand support à un sahab, à un muhajir qui est venu. Alors le prophète fait dire, quand tu as un ansar, il faut une partie de l'iman. Ça c'est signe de l'iman. Quand tu as un ansar, c'est signe de l'iman. Détester un ansar, c'est signe de l'hypocrisie. C'est signe de l'hypocrisie. Alors, pour ça, nous comprenons. Comment tu fais un programme, Lola. Il y a pour autant, mon frère, écoute ça. Pour aller sur YouTube. En l'honneur qu'Allah pardonne tout le monde. En l'honneur qu'Allah pardonne tout le monde. Dans sa haditha, quand le prophète peut dire si de iman, c'est content d'un ansar, c'est ansar, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il supporte Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il finit mot, est-ce qu'il est un ansar? Est-ce qu'il est un ansar? Non, nous sommes un ansar dans l'époque. Nous commentons à l'ansar de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui. Mais est-ce qu'il nous est un ansar dans le sens qui un djimoun qui nous a c'est une considération ansar dans l'époque auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Comment? C'est un qui peut supporter sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a un peu un ulama. Cheikh Abdelaziz al-Rajahi, un des plus grands élèves de Cheikh Mimbaz, il dit, ce hadith-là, compte à ansar, c'est signe de l'iman, détester mon ansar, c'est signe de l'hypocrisie, quand il y a un sens, quand il applique le bon sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a un sens un petit peu plus général, quand nous guettons, quand si nous essayons de comprendre, que mon ansar, c'est mon qui supporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète après cela mot ban qui peut supporter ce sunna je peux supporter le prophète dans son vivant alors content ban djimoun qui peut supporter sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans nos époques dans nos pays il faut partir de l'iman détester ban qui peut supporter sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est signe de l'hypocrisie alors nous avons le ban ulama qui c'est ban inshallah ben qui peut suivre hab alors inshallah vous êtes considéré comme pas ansar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais vous êtes considéré comme ben ansar sunnati rasulillah ben qui peut supporter sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors nous aussi dans l'époque si nous comptons nos ben ulama qui peut supporter sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut défendre sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors inshallah c'est un signe d'iman et nous allons dire dans l'époque un peu un alim qui fait un plus grand effort dans ce domaine là
c'est Cheikh Rabia al-Madkhali. Cheikh Rabia al-Madkhali. Alors, c'est un djemad qui écrit pour réfit beaucoup de djemad. Il réfit beaucoup de djemad. À cause ça, il y a beaucoup de djemad se disent détester lui. Parce qu'il y a une réfit djemad. Il y a une réfit djemad. Mais quand il réfit djemad, là, c'est pour défendre qui était. Pour défendre sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on compte sa main djemad, inshallah, alors, inshallah, ça, il faut une partie de l'iman. Donc, le prophète peut demander l'exemple. Comment et l'action qu'il nous fait avec nous les Kéya, c'est ban élément de l'iman, c'est ban branche de l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Je ne vais pas rentrer dans la jannata jusqu'à ce que je n'ai pas l'iman, et je n'ai pas pour l'iman. Jusqu'à qui je t'ai la mohabbat entre eux. Jusqu'à qui je t'ai la mohabbat entre eux. Alors, ce hadith a pu montrer nous qui était. Ce hadith a pu montrer nous qui. Mon compte à mon frère. Mon frère compte à moi. Mon compte à moi, c'est à qui le sunna. Mon frère compte à moi. Et bien, frère entre eux. Ben, c'est entre eux. Alors, quand il y a ça, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, les. C'est iman. Je veux dire, je n'ai pas pour l'iman tant que je fais la mohabbat. Je n'ai pas pour l'iman tant que je n'ai pas la mohabbat entre eux. Mon compte à mon frère, mon compte à mon sœur, avec qui était ça? Avec les kirs. Nous comptons à nos frères, nous comptons à nos sœurs. Il y a une petite chose, c'est une action qui nous fait avec nous les kirs. Alors, quand ça, c'est un élément de iman, alors nous comprenons qu'iman, c'est pas juste. La croyance, iman, c'est pas juste un aqida. Iman, c'est une chose qui est beaucoup plus vaste que ça. Chaque bonne action qu'il nous peut faire avec nous les kéirs. Chaque bonne action qu'il nous peut faire avec nous les kéirs. Alors, Inch'Allah, ça, c'est iman. Chaque bonne action qu'il nous peut faire avec nous les kéirs, c'est iman. Alors, nous comptons, nos frères, et à cause Allah, nous comptons, nous. C'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est nous bégard nous iman vivant. Nous bégard nous iman vivant. Mais il y a saint du monde, au lieu de content sur mon frère, monsieur musulman, les détester sur mon frère, monsieur musulman, les dispenses mauvais, les jaloux sur mon frère, monsieur musulman, les souhaitent le mal, quand ils trouvent ce frère peut faire progrès d'un business ou bien l'autre, les jaloux. Alors ça, c'est une marque, une faiblesse de l'iman, une faiblesse de l'iman. L'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà un exemple encore qu'il donne nous. Il dit Afdalu al-iman, as-sabr wa samaha. C'est ce hadith-là, il aurait dit Meilleur iman, c'est la patience et la tolérance. Donc, patience, c'est iman. Un dimouni la patience, patience, c'est quitter. C'est. La force dans nous qui contrôle nous. Qui contrôle nous. Nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas nous emporter, nous ne pouvons pas laisser nous emporter. Pour bien, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle sabre. Sabre, la patience. Et la patience, c'est tout qui était. C'est dans l'équerre. La patience, il trouve dans l'équerre. Et aussi, la patience dans un moment difficile. Dans un moment difficile, un démon est dans difficulté. La santé, ou bien finance, ou bien un problème dans la famille, il est dans une difficulté, alors il prend patience. C'est une petite chose qu'Allah a fait décréter. Il a accepté ce qu'Allah a fait écrire dans son qadar pour lui. Alors ça, c'est iman. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin de dire qu'il sabar, c'est iman. Il n'a pas besoin de dire qu'il sabar, c'est iman. Quand il veut dire sabar, c'est sa meilleure iman. C'est sa même meilleur iman. Alors, nous comprenons qui sabar, qui en vérité, il y a une action l'équerre. Si ça forme, si y a une branche de iman, alors, iman, c'est pas juste aqida. Iman, c'est pas juste aqida de l'équerre. Mais iman, c'est aussi une action qui nous fait avec nous l'équerre. Une ibadat qui nous fait avec nous l'équerre. Comme par exemple, sabar et compter à cause d'Allah. Détester à cause Allah et les autres. Le prophète Saïd ibn Jubair, un peu de salaf, il dit At-tawakkulu ala Allah jami'u al-iman.
Jia. God, tawakkulu Allah, ça c'est quoi dire iman au complet. Ça c'est iman au complet. Donc ça c'est pareil comme dans le Coran qui nous cite. Wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. God, tawakkulu Allah, c'est vraiment c'est un iman. Donc Saïd ibn Jubayr, un peu comme ça, fait dire tawakkulu ala Allah, jami'u l'iman. Tawakkulu Allah, c'est un iman au complet ça. Comme si, quoi dire, Pénanonia apporte ça. C'est un dimonia sur Tawakkulu Allah, l'inaïman. Donc, faudrait Tawakkulu Allah, l'élément ouais, de base dans l'iman pour qui Saïd ibn Jubayr peut dire une parole pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ida savatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa'anta mu'min. Le prophète dit si quand on fait une bonne action, te réjouis et te content, te sentir un contentement de te l'équerre. Et quand tu es arrivé à faire un péché, te ressentir le mal de te l'équerre, te sentir un regret, un chagrin de te l'équerre, le vrai de toi, un mu'min. Qui ça là? Celui qui dans son équerre, parfois il est content, qui fait un content, l'énervé et d'un démon qui est en difficulté. Pour le d'Allah, voilà, sadaqa ou bien edimun, c'est quelque chose qui parfois nous fait aller en quantité ou bien continuellement. Mais parfois, quand nous aidons edimun qui, quand nous trouvons edimun genuine, vraiment même sous situation difficile, vraiment, quand les difficultés extrêmes, et comment dire, pour le d'Allah, on a l'occasion pour aider là, on a l'occasion pour rendre un service, gagner une satisfaction de l'équipe ou bien. Il y a une satisfaction de ce qui est. Parce que pour aller sadaqa, c'est un adjoint peut faire, parce que tous les jours, peut faire continuellement. Il dit bon, c'est une bonne action. Mais, quoi dire, parfois, quand on fait une bonne action, et quoi dire, on trouve, on aide un djimoun, par le d'Allah, ou bien n'importe, on enseigne un djimoun. Un djimoun, il est un jahil, ou bien il est égaré. L'invini, ou bien on a levé à lui, on cause en lui, il montre qu'il est intéressé, il partit connaître le Coran, il vient quand on enseigne le Coran. N'importe qui bonne action qu'on fait, quand on fait une bonne action, on est content. Et de la même façon, quand on arrive à faire une mauvaise action, on sentit qu'on dit, qui fait mon besoin de dire, ah, pas si besoin de dire ça, ça, quoi, ça sentiment de l'équerre là, c'est une action de l'équerre, un dimonin souris. Qui mise un sourire, ou bien il fait un commentaire inutile, ou bien il fait une action inutile, ou bien un péché même. Quand ça mange li, à l'intérieur de lui, ça c'est qu'il ressentit là, il peut ressentir là, il peut ressentir ça comment? Il peut ressentir ça de son équerre, il peut ressentir ça de son équerre, le répéter c'est iman, c'est iman. Donc, quand Jimon, il veut faire bonne action, il est content, quand il pas fait il va pas lire le Coran, ouais, qui a fait besoin de lire le Coran? Il va pas faire salat, quoi, il a besoin de faire salat. Non, ouais, il fait aller, il connaît l'obligation, mais quoi, il est content pour faire aller. De la même façon, quand il finit de faire le péché, il parle, prendra quoi, une gloire pour lui. Il a le dire, il a l'expliquer, ou bien les causes concernant ça, mon dire ça, mon faire ça, comment je dis, ou comment je dis, mon faire quelque chose, mettre au Facebook. L'India ça, l'infia ça, l'expose au péché. Alors ça, les contredire iman. Il y a des gens qui, quand ils arrivent à faire péché, les regretter, ouais, ça mange à l'intérieur des lits, ça reste ce qu'il est ressenti dans ce l'équerre, c'est même iman ça. C'est même iman ça. Donc, nous l'équerre, avec nous l'équerre, il y a beaucoup d'actions qui nous font. Ce qu'ils nous citent là, c'est certain. C'est certain. Sinon, chaque bonne action qu'il nous fait avec nous, l'équerre, chaque bonne action qu'il nous fait avec nous, l'équerre, c'est iman. Pour c'est al-ikhlas, là, la sincérité. Quand il fait une action, il dit non, ça, bien fait, c'est à cause d'Allah. Bien fait, c'est pour plaisir à Allah. Sa sincérité, là, sincérité se place à côté, se place dans l'équerre. Se place c'est dans l'équerre. Donc, la sincérité, c'est un ibadat. Une action de l'équerre, ils font partie de l'iman, comme ça, al-yaqin, la conviction. Un djimon,
Et là, du monde peut cause contre l'islam avec lui, ou peut-être certaines, man, commenter l'islam, ou bien attaquer l'islam, ou bien demander, il peut trouver certaines qui sont dans l'islam, ou bien glisser, les ressentir une conviction dans ce qui est la vérité de l'islam. Alors, sa conviction là, c'est iman, c'est man action, les qui parmi nous, il y a aussi ce qu'on appelle. Réflexion, méditation. Un dimon, il peut réfléchir au grandir d'Allah. Il peut réfléchir au ben, faveur d'Allah. Il peut réfléchir au ce qu'Allah donne comme cadeau. Iman, la guidance, la connaissance. Un l'honneur qu'il peut vivre avec ça, la terre. Il a son maman, il a son papa. Il a une famille, une madame, des enfants, qui, comment dire, il peut vivre la terre avec la tête toute, en permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une méditation pareille, une réflexion pareille, c'est une action qui nous fait avec nous les quais, Dimon. Il réfléchit, quitte Allah quand c'était faveur, fait au moins, quitte Allah ce faveur au moins, sa action les quais là, sa méditation là, sa réflexion là, c'est un ibadat, c'est une branche de iman, comme ça, l'humilité. Il a chaud dans le lit. Il a humilité dans le lit. Humilité, c'est pas. Il les camousses, ou bien quand il peut causer, pas pétander. Non. Ça, c'est l'effet chaud qui parfois. Si vraiment il a chaud, pour il a l'effet là, l'écho. Sinon, parfois, il existe un show-off, un zis. Avec un membre l'écho, quand en vérité, humilité, là, il n'est pas trouvé dans qui est? Dans l'équerre. Humilité, c'est dans l'équerre. Du monde, il s'en dit, du monde, il n'est pas quoi dire. Bon, avec toute humilité, on peut dire ça. Avec toute humilité, on peut dire ça. Ça, c'est quoi dire? Une expression. Humilité, c'est dans l'équerre. Humilité, c'est dans l'équerre. Bien, du monde, on trouve son humilité. Dans son réaction avec ce battement de l'écho extérieur, dire ça c'est quoi dire l'effet humilité. L'effet humilité, alors humilité dans l'équerre, humilité dans du monde sur l'équerre, c'est un grand ibadet. C'est un grand ibadet, surtout quand on connaît les contraires de l'humilité, c'est qu'il l'arrogance, du monde, parole de soumettre. Il parle de soumettre, tandis qu'il y a humilité. Le film veut montrer les humbles envers Allah, les soumettre à Allah. Et il n'est pas montré ni arrogant pour ben, faire Allah qui peut juger, il n'est pas montré ni quoi dire supérieur, il n'est pas considéré comme un frère, c'est inférieur. Alors, tout cela, c'est une action l'équerre, une humilité avec nous l'équerre. Même quand j'étais connaissance, on gagnait. Même quand j'étais l'intelligence, on gagnait. Même quand j'étais beauté, on gagnait. Même quand j'étais l'argent, on gagnait. Même qui a été grand post-travail, ouais, quand, ou. Humble. Alors, sa humilité là, c'est ibadat l'équerre. C'est ibadat l'équerre. Et c'est une branche de iman. Comme ça, même lui là, pour l'ibadat qui nous fait avec nous l'équerre, une branche de iman, c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Qui veut dire al-muraqaba? Al-muraqaba, pour le soufi, je n'ai pas l'explication que je donnais. Sinon, al-muraqaba. C'est ressentir la présence d'Allah. Ressentir la présence d'Allah. Alors, Dimon, quand il pratique sur l'islam, surtout un jeune, il ne peut pas faire certaines petites choses, ou bien abstenir de certaines petites choses à cause de son maman, ou bien à cause de son papa. Comment? Il y a une petite chose qui nous dit, ou bien nous pas dire, il y a une réalité. Un papa, il n'est pas pour qu'on mette l'islam dans ses enfants. Les pas pour une maman pas pour qu'elle mette iman dans ses enfants. Les filles, c'est faux. T'as fait un papa. Contre simple, ce plus grand souhait, ce plus grand. Simple qui se plus grand fortune pour lui. Un papa qui a iman, une maman qui a iman. Les récits, comment dire, mettre iman dans ses enfants, dans l'islam dans ses enfants. Mais seulement, ça, c'est. Même quand tu t'aimes, papa, tu as envie de foncer dans ses enfants. Tu es capable? Pas grave. Garçon, lis le Coran. Garçon, apprends le Coran. Tu fais ça. Pas pour capable, ça. Nous bisons, élever nos enfants. Mais seulement, c'est
Iman, c'est relation sactimon avec Allah. C'est relation sactimon avec Allah. Mais moi, mon iman, c'est qui était mon relation avec Allah. Mon garçon, c'est iman, c'est qui était son relation avec Allah. Mon petit fils, c'est iman, c'est qui était son relation avec Allah. Donc, sactimon, l'iena, une relation avec Allah. Quoi dire, mon pas grave, moi, la relation, mon madame avec Allah. Mon madame n'est pas grave, il a mon relation avec Allah. Mon pas grave, il a relation, mon garçon avec Allah. Mon garçon n'est pas grave, il a mon relation avec Allah. Chacun sa relation avec Allah. Le Saint qui appelle, le pas capable, on va dire, enfonce qui demande dans nos enfants. Ce qui nous capable, c'est éduquer, enseigner, montrez-lui, conseillez-lui, et puis les plus grandes choses encore, c'est faire doa, oh Allah, mettez l'iman dans les cœurs de vos enfants, oh Allah, mettez l'iman dans les cœurs de vos enfants, oh Allah, mettez l'iman dans les cœurs de vos mantifis. Alors, c'est un dimon, il fait sa propre permission, Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah fait écrit, on va dire, le nez à lui auprès d'Allah. Alors, Allah, pour honorer à travers ce bon enfant, on appelle un doa qui est en financier de ce qui était. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين والله دنوما ان كوين مدام ابن زانفون كسبن فريشير نوليجي كسبن فريشير نوليجي يا والله دو موين زانفون كي كابوغيت مو زانفون مو كونتان والله دو موين تيفي كي كابوغيت مو تيفي مو كونتان الو سا سي كوا ديا ان بلي غون لوني كالاتالي يحكود ان جيمون دونك ressenti la présence d'Allah, c'est ça qu'elle se relâche avec Allah, ça. Et quand un djimoun, il peut ressentir la présence d'Allah, c'est avec son équerre. Tant qu'il ressentit la présence d'Allah, il peut avoir respect pour Allah, il peut avoir la frayeur pour Allah, il peut avoir la crainte pour Allah, et il peut connaître comment les musulmans comportent en tant qu'un musulman. Sinon, la même qui vous trouve, Banjan, il a deux faces devant maman. Vous êtes dans le langage, avec camarades, l'autre langage, des différents. Devant, dans la case, vous êtes dans le visage. Dans, pour mes camarades de l'école, vous êtes dans le visage, vous êtes dans le visage, l'autre face, là, là. Alors, ça c'est un problème iman. Un problème iman, c'est une faiblesse dans l'équipe même. Un dimon. Son relation avec Allah, quand c'est qu'il ressentit là, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ma branche de l'iman, comme ça même, c'est satisfait avec le décret d'Allah. Il dit satisfait avec Allah, en tant que Rab, satisfait avec le décret d'Allah. C'est qu'elle a écrit Alhamdulillah, c'est qu'elle a écrit Alhamdulillah. Mais là aussi, la reconnaissance, Ashouk, remercie Allah, nous remercie Allah, avec nous l'équipe, avec nous la langue, avec nous membres l'écho. Un premier remerciement pour Allah, une première reconnaissance pour Allah, c'est reconnaissance dans l'équerre. Reconnaissance dans l'équerre. Et parmi c'est Al-Ghayra. Ghayra, comment vient la leçon mardi, quand je cause pour cela, relation monsieur madame, je veux dire, un monsieur, les bisènes à Ghayra envers ce madame. Qui veut dire Ghayra envers ce madame? C'est les bisènes quoi dire? Une certaine jalousie envers ce madame qui, comment dire, ce madame police, ce madame pas qu'à dire public. L'islam finance à nous, un djimoun, il faisait la rire. Alors, sa rire là, il trouve qu'il est dans l'équerre. Tant qu'un monsieur, on va il est en colère si ce madame se l'amène paraît, ce avant-bras ne paraît. Ça, c'est iman. Mais un monsieur, ce madame, pas si son avant les bras, mais les bras là même préparé. Ça pas agace-lui. Ça pas agace-lui. C'est une faiblesse de l'iman. Parce que Ghayra, c'est une action l'équerre. C'est une action l'équerre. Donc quand un monsieur n'a Ghayra envers ce madame. Madame n'a Ghayra envers ce monsieur. Comment par exemple? Par exemple, une madame n'a Ghayra envers ce monsieur. Oui. C'est-à-dire, l'hypécose. Un monsieur fait cause avec un madame au téléphone. Comment dire, son extra grand camarade avec lui. Puis madame là, elle risque de donner une calotte. Pas de se poser une calotte. Puis qui commence à te poser femme du monde, toi.
Alors, ça c'est Reira. Quoi déjà? Mon monsieur, pour moi, ça façon cause. Tu n'as pas qu'à cause. Et tout cas, tu es madame, tu causes. On va te pas contre, moi, tu causes. Alors, madame, tu me causes comme ça. Alors, ça Reira là. Il trouve qu'il est dedans. Dans l'équerre. Il trouve dedans. Dans l'équerre. Alors, Reira, il faut partir de l'Iman. Mais toujours, il ne faut pas l'exagérer. Il ne faut pas l'exagérer. Il ne faut pas avoir un doute qui, comment dire, n'est pas fondé. Pour n'en rien, exagération de toutes choses, n'est pas bon. De rire là aussi, n'est pas bon. Par exemple, une madame, mon madame, l'une bizarre, des situations, l'une bizarre causée calmichée. L'une bizarre causée calmichée. Alors, par cause, une madame, il est arrivé causée calmichée, fini là. Il me vient causer, ou bien un monsieur même, il me vient causer comme madame. Par cause, mon causer comme madame, ouais, moi, j'ai fini là, toi, le téléphone, en tout cas, était quelque chose, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Mais il reste qui, vraiment, il y a un problème là. Il y a certains monsieur, si pour que les autres causent madame, j'ai mon maman, la crème. Mais quand vous les autres causent madame, on dit, un traitement vraiment avec humiliation, il n'est pas bon. Donc, nous, ce qui nous fait cite comme action l'équerre, c'est qu'il faut une partie de l'iman à travers l'action qui nous fait que l'équerre, c'est le rira, les bizarres vivants. Tant que nous avons le rira de l'équerre, nous iman pour vivant, quoi dire. Motifie pas, pas qu'à permettre de motifier faire ça, pas qu'à permettre pour madame faire ça. Bon, madame, pour moi, ça, modifie, c'est modifie, vous pas capable. Alors, toc, et là, ça dans nous, alhamdoulilah. Mais, correct, ça, tu fais tout bien, allez, toi aussi. Garçon, tout peut faire, toi aussi. Mais, madame, correct, ça, et tout, iman. Et parmi, c'est Taouba. Taouba, en vérité, c'est avec l'équerre. Taouba, c'est avec l'équerre. Oui, nous prononçons avec nous la bouche, voilà, mon père Taouba. Voilà, mon père Taouba. Mais Taouba, il commençait même par quitter ce qu'on appelle un regret. Un dit, bon, il fait quelque chose, après lui, il partit bien faire. C'est ce qu'on appelle Taouba. Et ça, c'est avec l'équerre. Voilà, moi, accepter mon fait quelque chose, partit bien faire. Voilà, pardonne-moi. Voilà, pardonne-moi. Alors, ça, c'est avec l'équerre. Sinon, quoi, on peut trouver la reconnaissance avec l'équerre, avec la langue. Taouba, c'est avec l'équerre, avec la langue. Comme ça, humilité, c'est avec l'équerre, avec normalement, le convenu, qu'ils soient les reliés l'un dans l'autre. Ils soient les reliés l'un dans l'autre. Mais sinon, quand nous payons ce que nous laissons en saudi, c'est un mouvement à action, l'équerre qui nous cite, nous pouvons trouver qu'il était en relation avec les autres ibadet qui nous fait avec les autres membres de l'équerre, autres que l'équerre, mais c'est par exemple tasbih, avec nous la langue, ou bien. Une action qui nous peut faire avec nous, avec nous membres de l'écho, nous peut aider un djimoun. En général, ben, ibadet qui nous fait avec l'équerre, lui, il a une autre considération auprès d'Allah. Il a plus valeur, pas nécessaire chaque action, sinon, parce que salat, c'est un ibadet qui nous fait avec nous l'écho. Et valeur salat, nous connaît auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, en général, je veux dire, l'islam, il commence à travers nous l'équerre. C'est un démon qui peut redresser sur l'équerre par l'eau d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce iman pour vivant, inshallah. Alors, ça, c'est nos explications pas aujourd'hui. Iman, c'est aqidah qui est dans l'équerre. Iman, c'est une bonne action qui nous fait avec nous l'équerre. Alors, inshallah, la semaine prochaine, nous vous causons concernant. Iman, c'est la parole qui nous prononçait avec nous la langue, et ben, ibadet qui nous fait avec nous la langue, inshallah. Sinon, demain, peut-être, nous laissons Kitab al-Nikah terminé. Mais là, semaine prochaine, nous commençons une nouvelle leçon, le talaq, inshallah. Subhanallah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.